Bonjour les yogis, bienvenue dans cette nouvelle pratique. On va commencer debout aujourd'hui. Donc les jambes bien ancrées dans le sol, vous faites une petite bascule du bassin ici, vous remontez les rotules et on est bien ferme, bien ancré. Inspirez, bras vers le ciel, on étire vers le ciel. On va descendre le bras droit et monter le bras gauche. Toujours les jambes bien engagées, inspire, on remonte et on descend de l'autre côté. Descendez bien l'épaule, vous respirez et on remonte, bras vers le ciel, on revient main devant le cœur, vous descendez, vous asseoir, vous pouvez écarter un tout petit peu plus les pieds et on baisse les épaules. Relaxez dans vos orteils. On descend ici le buste, on ouvre de côté et on remonte, bras vers le ciel, inspire, on étire et de nouveau on descend de côté. Allez jusqu'au bout des doigts avec votre énergie, puis on remonte, inspirez, on descend de l'autre côté, baissez l'épaule et on s'allonge, les deux pieds bien ancrés dans le sol et on remonte. Main devant le cœur, on descend ici. Relax dans les orteils, on est bien stable. Inspirez, on ouvre les bras. Puis on vient les chercher derrière. Creusez encore, on descend plus bas. On va décoller sur la pointe des pieds. Et on ouvre de nouveau les bras. Bras devant le cœur, respirez. Et on pose les talons, posez les mains par terre, on étire les jambes, ouvrez un tout petit peu plus les jambes et on descend vers le bas, relax. Puis on remonte, bras vers le ciel et on revient main sur les hanches. Vous allez pivoter le pied droit, tournez bien les hanches, on ouvre de côté. Puis on descend ici dans le triangle. Ouvrez bien le buste vers l'arrière, on s'allonge, puis si ça va on étire le bras un petit peu plus loin par-dessus l'oreille. Et on remonte, fermez le pied droit, ouvrez à gauche, ici vous remontez toujours les rotules, on tourne. Et on descend dans le triangle, allonge. Ouvrez bien le buste, tirez un petit peu vers l'arrière, on allonge le bras par-dessus l'oreille, vous respirez. Et on remonte, on ouvre les bras, main devant le cœur. Vous allez ouvrir les pieds un petit peu de travers, donc le plus de travers de possible, et on descend ici. Ouvrez bien les pieds de côté, on garde l'équilibre, et on vient main devant le cœur. Inspire, on ouvre, serrez les omoplates, puis bras vers le ciel, on s'allonge, et on revient. Encore, ouvrez de côté, on vient cette fois mettre les mains derrière, et on descend du côté droit. Ouvrez bien le coude vers le plafond. Et on revient au centre. Puis on descend du côté gauche. Respirez. Et on remonte. Tendez les jambes jusque tout en haut. Bras vers le ciel. Inspire. On met main sur les hanches. Et on ferme. Oups là. On ferme les deux pieds. Inspirez, on ouvre, venez chercher vos deux mains derrière et on descend vers l'avant. Lâchez la tête, étirez les bras loin derrière. On relâche, vous respirez bien. Et on remonte jusque tout en haut, main devant le cœur. On fait un petit saut et on vient à l'avant du tapis. Inspirez, bras vers le ciel, on regarde tout en haut, puis on va descendre les deux mains par terre. On va soulever la jambe gauche derrière, plier ici un tout petit peu derrière le genou.
On respire, on allonge le dos, pas besoin d'aller très haut avec la jambe. Surtout, on allonge le dos. Puis on va poser la main gauche par terre et ouvrir vers la droite. Respirez. On fait la torsion et on repose. Cette fois, on monte plus haut et on amène le nez vers le tibia. Vous respirez et on repose. Lâchez la tête. Inspire, bras vers le ciel. On regarde tout en haut, les jambes bien stables dans le sol et on redescend. On soulève la jambe droite, allongez le dos, les épaules vers l'arrière. Petite flexion dans le genou ici et on respire. On va garder la main droite par terre et on ouvre de côté. Respirez. Et on repose. Cette fois, on monte la jambe plus haut. Et on descend le nez vers le tibia. Et on revient à l'avant du tapis pour s'asseoir sur le bout des pieds. Allongez la colonne, vous replacez vos épaules, main devant le cœur. Inspire, on monte les bras, on étire la colonne. Ici, on essaie d'ouvrir les épaules. Respirez. Et on vient main devant le cœur. Posez les talons si vous pouvez. Et même chose, on allonge. Et on vient poser les deux mains derrière pour s'asseoir, les deux jambes tendues. Bras vers le ciel, on monte. Et on pose les deux mains derrière. Serrez les omoplates ici, pointez les pieds. Vous ouvrez le buste. Comme si on nous poussait ici par derrière. Et vous serrez les omoplates. Puis on descend vers l'avant. Allongez la colonne. Une longue respiration sur l'inspire. Et expire, on vient se poser par terre. Et ici, vous allez croiser les jambes. Alors, soit en tailleur, comme ça, soit en lotus. Si vous pouvez aller en lotus, vous allez en lotus. Sinon, vous restez en tailleur, c'est parfait. Vous replacez les épaules. On va garder les coudes tout près de soi. Et montez. Serrez bien vos coudes ici. Puis on va poser la tête par terre. Soit vous prenez ici les cuisses ou le leggings. Si vous êtes en lotus, vous prenez vos pieds. Puis on essaie de monter vers le ciel. Donc vous serrez les coudes bien sur le plat de la tête. Et ici, on peut respirer. En ouvrant bien les côtes, en ouvrant le plexus, et on respire. Un. Tirez les épaules vers le bas, les coudes vers le sol, vous sentez ici dans les dorsaux. Puis on va décrocher les pieds pour les tendre tout droit devant. Les pieds qui pointent, serrez les jambes l'une vers l'autre, elles sont actives. On pousse ici dans les coudes pour aller un petit peu plus. Et on vient coller les deux mains ensemble, mais toujours en gardant les épaules ouvertes. Et on respire. Et on pose les coudes. Lâchez la tête, vous revenez avec les genoux vers la poitrine et vous balancez un petit peu à gauche et à droite.
On va étirer la jambe gauche sur le sol, vous montez la jambe droite vers le plafond. Tout le dos bien à plat, puis maintenant vous venez plier la jambe gauche et vous prenez derrière la cuisse. Ici, on ne va pas soulever le bassin, donc on essaie vraiment d'avoir le bas du dos qui colle sur le sol. Et on étire la cuisse vers soi. On peut plier le genou, passer les deux mains par-dessus le genou et continuer l'étirement. Vous relaxez dans le visage. Et on revient les deux jambes vers le plafond. Tendez la jambe gauche par terre. Sentez bien le dos qui est à plat jusque dans le bas du bassin. Et c'est la jambe droite qui va venir par-dessus genou gauche. Et on étire. On plante la jambe dans le sol en fait. Vous respirez. Attention au bassin qui tourne ni à gauche ni à droite. On plie le genou, vous venez avec les deux mains par-dessus le genou et on étire ici, vous sentez dans la hanche. On relaxe dans la respiration, le dos bien à plat. Et on revient avec les deux genoux, replacer le bassin. On va tendre les jambes vers le plafond et mettre les pieds flex. Ici, tout le dos est vers le sol. Vous activez les abdominaux vers le sol aussi, jambes tendues. Et on essaie de pousser les talons vers le plafond. On respire. Si ça va, on vient chercher les deux orteils. Et on va ouvrir les jambes vers le côté. Vous pouvez aussi plier si c'est nécessaire. Tirez les orteils vers vous, pieds flex. Et on remonte. On vient poser les pieds sur le sol. Vous relaxez les jambes de côté, les paumes de main vers le plafond. Et on relaxe. La tête lourde, le visage détendu. La respiration devient douce et fine, lisse. On reste quelques minutes ainsi, juste à rien faire. Prendre ce moment pour soi. Vous pouvez laisser tomber les yeux vers l'arrière. Puis on va commencer à s'étirer, tendre les jambes, les chevilles, les doigts, étirer les bras derrière la tête. Et on ramène les genoux vers la poitrine. Vous pivotez complètement du côté droit
pour revenir en tailleur, les deux mains sur les genoux. Vous tenez le bas du ventre, vous ouvrez bien les côtes, on prend une belle dernière respiration. Et expirez profondément. Main devant le cœur. Vous pouvez mettre une intention pour votre journée, un petit plus, plus joyeux, plus calme, plus posé, plus concentré, plus quelque chose pour votre journée. Essayez de garder cette intention quoi qu'il arrive. Même si des personnes extérieures essayent de vous déstabiliser, essayez de garder cette intention toute la journée. Si vous avez aimé cette vidéo ou d'autres vidéos, bien sûr, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu, vous abonner à la chaîne, la partager et je vous retrouve tout bientôt.